Bonjour et bienvenue sur cette vidéo 16 qui vient boucler l'ensemble du contenu des outils du praticien PNL. Vraiment, je suis très honoré que vous soyez encore là. On va aborder deux techniques majeures qui viennent boucler ce cycle. La première, c'est le traitement des traumatismes importants. La deuxième, c'est la négociation des parties internes. Véritable travail de processus de mise en cohérence des différentes parties de nous-mêmes. Alors, justement, si vous êtes encore touché peut-être par le fait d'avoir été à un moment donné fortement secoué dans votre histoire, d'avoir vécu des traumatismes importants, ça peut être des sentiments de perte importante, ça peut être des sentiments de peur qui vous ont particulièrement marqué, ça peut être des sentiments de traumatisme liés à des sentiments d'injustice, des sentiments de peine forte que vous avez vécu, bref, tout un ensemble de difficultés importantes. Sachez que ce n'est pas l'événement qui fait la hauteur de la difficulté, c'est la manière dont vous l'avez vécu. Et ce que nous voulons, c'est transformer ce qui, là-bas, en arrière-plan, est parfois caché, simplement parce que notre préconscient et notre inconscient ne veulent plus nous mettre en conscience de ces éléments-là. Le problème, c'est que c'est un fichier qui continue à diffuser, si vous voulez, des sentiments de perte, des sentiments d'insécurité, des sentiments d'incapacité à avancer. Donc si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans des cycles qui se répètent, des situations que vous n'arrivez pas à transformer, malgré toute l'énergie que vous mettez pour progresser, probablement qu'il y a en arrière-plan ce type de fichier, et c'est l'objectif de cette technique, c'est de transformer cela. Pour ça, on va réutiliser un protocole qu'on va compléter, que vous avez vu dans le niveau 2, qui s'appelle la dissociation simple, mais qui va devenir une quintuple dissociation. On va jouer à la fois avec des représentations mentales, on va jouer avec un espace, notamment qui ressemble un peu à un environnement de cinéma, pour aller travailler avec différentes parties de nous-mêmes, et grâce à l'hypnose ericksonienne, grâce aux submodalités, eh bien on va amener la personne à complètement transformer le rapport qu'elle a avec les traumatismes, les situations qu'elle a vécues, sans même la reconnecter à ses traumatismes. Ça veut dire qu'elle va traverser ce processus avec un immense confort, parce qu'on va utiliser des états ressources extrêmement puissants pour cela. Et vous allez voir, c'est un truc de dingue de voir à quel point des gens peuvent complètement transformer des situations qui les ont traumatisées à un moment donné, qui sont toujours là. Et ce qui est génial, c'est que quand vous transformez ce type de fichier, par voie de conséquence, c'est tout un ensemble de choses qui se transforment dans la vie de la personne. Ça peut être en lien avec son conjoint, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, et même dans sa vie professionnelle, des choses incroyables se transforment, s'ouvrent, des situations beaucoup plus légères se passent, et ça va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc ça, c'est le travail de transformation des situations traumatisantes. Enfin, on abordera la dernière partie, et ce n'est pas la des moindres, c'est la partie de négociation interne. C'est comment prendre en compte ces différentes parties de nous-mêmes qui parfois se tiraillent, qui parfois sont en opposition et qui nous font perdre tellement d'énergie, qui nous font perdre des pensées, de l'argent et qui nous pompent énormément de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on passe plus de temps à écoper qu'à avancer, en fait. Et pour perdre, pour boucher en quelque sorte ces pertes d'énergie, on va aller prendre en compte ces différentes parties de nous-mêmes. Donc c'est à la fois un travail de prise en compte des différentes parties de nous-mêmes, à un niveau préconscient et surtout inconscient. C'est un travail qui passe par le corps aussi, parce qu'on va y joindre le côté très physique, énergétique des choses. C'est un travail qui sollicite aussi beaucoup l'hypnose ericksonienne pour prendre en compte ces différentes parties, les écouter, aller chercher les valeurs de l'une, les valeurs de l'autre, comprendre les projets qui sont là derrière et réharmoniser, prendre en compte ces différences et faire en sorte que ces différences se complètent. C'est vraiment un travail de réorganisation intérieure, de reconsidération des différentes parties de nous-mêmes et de remise en cohérence interne. C'est un processus qu'on utilise aussi dans le cadre des coachings d'équipe, puisqu'on va réappliquer ces mêmes processus à des personnes qui sont en conflit. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être une équipe. Enfin, vous allez voir, c'est des principes extrêmement puissants de réunification, de réorganisation autour d'un projet commun. Et c'est tout le sens, évidemment, de cette démarche. Voilà, on arrive donc à la fin de ce processus niveau 3. Il y a bien sûr un niveau 4 hein, qui, lui, ne fait pas 10 jours, mais 3 fois 6 jours, 18 jours, plus des journées personnes ressources que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir en visitant notre site. À la terme de ces 10 journées que vous avez pu suivre soit à travers des vidéos, soit dans le cadre d'une formation en salle que je vous conseille très très fortement parce que les vidéos souvent nous sensibilisent bien sûr, nous font découvrir des choses, nous apprennent, on découvre, on apprend,
Mais dans le cadre des formations, on met en pratique, on est supervisé, on est corrigé. Il y a toute une dynamique humaine que vous ne trouverez évidemment pas dans des vidéos. C'est ce qui fait aussi la différence. Mais grâce à ces vidéos, tellement de personnes nous ont remerciés aux quatre coins du monde pour pouvoir intégrer, selon leur temps, leur disponibilité, toutes ces techniques. Et on remercie toutes ces personnes qui ont pu profiter, encore une fois, de toutes ces techniques parce qu'aujourd'hui, elles transforment le monde. Et quand on voit le nombre de familles, quand on voit le nombre d'entreprises, de salariés, d'élèves aussi, qui ont une vie différente simplement parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ces techniques pour se transformer eux-mêmes, on est vraiment très fiers de cette intégration d'outils. Sachez que ça fait 30 ans qu'on les enseigne, donc c'est vraiment des outils extrêmement puissants. Merci encore à vous, j'ai été ravi de vous présenter l'ensemble de ce programme. Je souhaite véritablement vous retrouver, que ce soit à travers des vidéos, des webinaires et plus encore des séminaires pour pouvoir vous accompagner dans cette pleine transformation. Vous avez un capital tellement immense de possibilités que j'affectionne énormément ces techniques parce qu'elles mettent en valeur tout ce potentiel humain. Merci encore à vous, j'ai été ravi de vous accompagner à travers ces vidéos et au très grand plaisir de vous retrouver bientôt. Merci.